Oh my goodness. J'adore. C'est vraiment un bon souvenir de mon enfance, ça. On a des peanuts. Ça fait qu'on recevait des peanuts. Ça, c'est weird. Je sais pas comment manger ça. On n'est pas les Suisses. Ces peanuts-là, c'était vraiment bon. Mon père les aimait vraiment, puis lui voulait toujours avoir nos peanuts. Yum. Des double bubble. Dans les 90, on aimait ça, nous autres. J'ai ça à chaque année, presque. Qu'est-ce qui était super important? C'était pas la saveur de la gomme. C'était qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des petits jokes. Puis je pense pas qu'il y avait ça dans le temps. Puis là, on mangeait ça. Ça, c'était un des premiers qui s'en allait. Puis qu'on voulait tout avoir les histoires. Parce que ça, là, c'est dur. Ça, c'était un trésor. Puis si tu peux rien, ça goûte pas comme du sucre. Puis je pense pas qu'il y a du sucre même. On faisait semblant d'être nos parents qui fumaient tous dans ce temps-là. Et puis on avait tellement de plaisir avec ça, mais croyez-moi, je suis contente de savoir qu'il n'y a plus de petits feux là au bout. Des Tootsie Rolls? Ça se mangeait pas. Je me souviens quand on était petite, on aimait ça aller de porte à porte, puis quand on ouvrait la porte, puis le monsieur ou la madame nous remettait une canne de pop, c'était la meilleure chose à recevoir. On adorait le pop. Est-ce que tu as déjà reçu ça dans ton sac? Jamais. La seule chose qu'on a pour boire, c'est comme les juice box, puis tout ça. Quand ils nous mettaient ça, là, ça écrasait toutes nos chips. Donc, on s'assurait d'avoir un sac à dos avec nous pour mettre les pops dans notre sac à dos pour essayer d'éviter d'écraser tous nos sacs de chips qu'on recevait. Je déteste la Coca-Cola. Oh, puis des belles pommes, on a eu quand on était petit. Qui donnerait ça pour Halloween? Ça, c'est... Mais c'est bon! Des cherry blossoms! Oh là! Un autre gros trésor pour la Halloween! Oh, avoir ça et là, ça, fallait que tu caches ça de tes parents. C'est la grosse la boîte. C'est rond. En tout cas, laisse-moi vous dire, ça, c'était la traite. Puis c'est dur. Il y a beaucoup de noix dedans. C'est beau différent. Ça apporte, la Halloween apporte tellement de beaux souvenirs d'enfance. Et puis ça, c'en est vraiment une.